Et nous voilà repartis dans This War of Mine avec quelqu'un qui vient de frapper à la porte. Une jeune fille, apparemment. On va voir ce qu'elle nous veut. Tu cherches un refuge. Bonjour, vous avez l'air sympathique, je m'appelle Zlata. Avant, j'étudiais à l'académie de musique, mais elle a fermé à cause de la guerre. Et si on restait ensemble pour le moment, nous pourrions nous entraider. Et rien de tel qu'un peu de compagnie pour retrouver le sourire. Fais péter, Zlata. Je le regretterai pas. Écoute, j'espère. Tu commences bien, t'as de légères blessures. On va commencer par faire... Ah ben, c'est la nuit. C'est la nuit, c'est la nuit. T'as de légères blessures. Écoute, tu vas dormir dans un lit. Toi, ta faim était triste, mais t'es OP, donc tu vas continuer à les collecter. Toi, ta faim, t'as de légères blessures et t'es triste. Tu vas dormir. Donc toi tu vas dormir dans un lit, toi tu vas monter la garde, toi tu vas dormir dans un lit. Parce que toi t'es pas fatigué en fait, t'as juste de légères blessures. On va aller où? On va aller dans la maison calme. Avec Marco du coup, préparer. J'ai quand même un peu de bouffe. C'est pas mal, je suis content. Même si mes gens sont déprimés, écoutez, hein? Voilà. Tu vas prendre le pied de biche. Ça fait sans bruit le pied de biche? Si tu le dis. Peut-être, hein? Là, il y a du... Putain, de la bouffe! Ça, si c'est pas... Joie. Des médocs. Les mecs, vous jetez n'importe quoi. Du bois. Je prends. Y a-t-il des gens là-dedans? Y a des... Ah, y a des gens là-dedans. Y a des gens là-dedans. Ne peux-tu pas monter là, directement? Non, tu ne peux pas. Ta femme est malade. Je compte pas tuer ta femme. T'as quoi là? Écoute, je vais prendre ça. Ils vont encore être déprimés si je vole des trucs, remarque, hein. Non, je prends pas ça. Quoi? J'ai rien pris! Allez, je me casse. En plus, vous avez que dalle. Je vais quand même aller voir votre frigo. Je vais peut-être pas tout vous vider, hein. Sinon, ils vont encore... prendre un peu de viande, quand même. Un peu d'eau. Voilà. Ok. Moi, ouais, je fouille. C'est tout propriété privée ici, de toute façon. Il y aura un moment, on n'a pas le choix. Oh, de l'alcool. De l'alcool, de l'alcool. Qu'est-ce que je vais jeter? Deux cigarettes, ça suffira.
Fertilisant aussi peut-être. On va prendre de l'alcool parce que l'alcool, je crois que ça se revend plutôt bien. Des matériaux. Il y a quoi là derrière? Il y a rien. N'empêche que Paveleu, je pense à Paveleu. Il est j'ai vu du rouge, mais c'est toujours le même, là en haut. Okay. Ils sont pas bien méchants ces petits vieux là. Il m'a dit que j'allais le regretter, donc je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Bon, par contre, il est censé faire nuit, mais là, je trouve pas qu'il fasse bien nuit. Alors, la viande, j'aurais pu leur laisser un truc de viande, du coup. Ça, je m'en fous. C'était... Tac. Ça, je peux pas. Bon, écoute, hop. Non, la viande, je la garde. La viande, je la garde. Ok. Je crois qu'on est bien. Allez. Il va encore nous faire une dépression, le Marco. On va commencer à re-être pillé, je pense. Quelqu'un a essayé de nous voler, c'était un groupe coriace et vicieux, mais ils n'ont réussi qu'à cause des dégâts mineurs. Nous avons des armes, mais pas assez pour tout le monde. Pavle et Zlata. Devrions davantage monter la garde. Zlata, elle aurait bien besoin de bandages. C'est une mauvaise nouvelle, je crois que nous n'en avons pas. Nous avons des médicaments, mais nous n'avons pas de bandages. Tiens, t'as qu'à aller parler avec lui là. Ils sont tous en train de dormir quoi, c'est un truc de fou quand même. Ah, Bruno il est en déprime, putain. Toi aussi t'es en déprime? L'autre il aimerait pouvoir aider, il fait que ça depuis Putain, elle va crever Zlata. Je le sens bien. Encore en cours, ok. Bon, Bruno, t'es en déprime, toi t'es triste. T'as très faim surtout. Bon, allez, va manger. Qui c'est qui a très faim? Toi t'as faim. Bon, mais va manger. C'est pour manger, dépêche-toi. Ça va mieux? Triste, ok, allez, va dormir. Toi, va là. Putain, toi, t'es pas bien non plus, hein. T'as des bandages, je te prends un bandage. Non, 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 Zlata, reste là. Toi, t'as quoi à me proposer? Putain, t'as même pas un pauvre bandage. Tu fais chier, tu fais chier.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? J'ai du tabac. Tout ça, tu t'en fous. Les médocs, je garde. Ça, je garde. Tout ça, je garde là. Bon, bah écoute. D'ailleurs, c'est plus du bois qu'il me faudrait. Pour le moment. Parce que ça, j'en ai déjà 28. Du bois, j'avais quoi? J'en ai 13. Écoute, hop. Marché conclu. Paveleux. Hop. Non, c'est bon. Allez, ciao. Non, mais non. Sors de là. Hop, c'est bon. Tac. Tac. Paveleux, voilà. Bruno, t'es toujours en train de dormir? Il va falloir que j'aille trouver du bandage. Hein. Je sais, bah c'est pour ça que je suis en train de... Ouais, je comprends, moi aussi je m'inquiète pour Zlata. Dépêche-toi. Faut qu'on renforce ça au plus vite. Non. Ah merde! Putain! Marco, il a très faim. Putain, fais chier. Dépêche-toi, Marco, Pavleu. Non, putain. Pas Bruno. Pavleu. Dépêche-toi. Bon, Zlata, en plus, elle est utile. Elle remonte le moral des troupes. Et ça marche plutôt bien, faut dire. Oui, je sais. Il faut penser la blessure à Zlata. Très bien. C'est 5 heures. Vas-y, cours là. Marco, t'es réveillé? Très bien. Tu vas faire quoi? Bon, ben je suis désolé, Marco, tu vas aller faire à manger. Toi, tu refais un truc fabrique. Non, tu vas pas aller faire à manger d'ailleurs, tu vas aller. Hop. Ça devrait aller mieux là. Ok, nickel. Bruno? Bruno, ça va mieux. Zlata, tu vas dormir. Zlata, tu vas dormir. Non, tu vas dormir dans un lit. Ou alors tu vas aller à l'hosto. Ah ouais, tu vas aller à l'hosto. Tu vas aller à l'hosto, parce qu'on est à l'hôpital. Marco. Tu vas monter la garde. Toi, tu vas dormir dans un lit. Et toi, tu vas dormir dans un lit. T'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu vas juste aller chercher de quoi te soigner. Ça te fera le plus grand bien. T'as pas intérêt à nous clamser dans les pattes. Hein. Elle traîne la patte. Hein. Non, mais je fais pas de vagues, t'inquiète. Je veux juste. Hop, voilà, allez là. S'il te plaît. Je veux bien, je veux bien. Bon après je vais pas trop fouiller, j'aurais pu amener un ou deux médocs pour donner au docteur.
Mais là, dans l'absolu, j'y ai pas pensé en fait. On va fouiller là quand même. Ok. On a le droit de fouiller ces trucs en fait. Le garde ne nous dit rien. C'est des trucs propriété privée qu'on n'a pas le droit de prendre. Et ça, tout ça, ça m'est très utile. Je te cherche pas. Enfin, non. C'est ça, c'est ces mains-là. Là, ça, on n'a pas le droit. À vrai dire. C'est pas vraiment ce que je cherchais. Je prends juste le strict minimum là. Je voulais juste vraiment que Zlata se repose. Enfin qu'elle ait ses bandages parce que vraiment là j'en ai pas. Elle traîne la patte. Hein. Ah bah oui, parfait. Ah bah parfait. Non franchement, c'est une sortie plutôt rentable dans l'état. Allez, rentre à la maison. Ah ouais, sortie plutôt rentable, je trouve. J'espère qu'on n'a pas été attaqué. Là, j'avais bien consolidé pour le coup, donc. Très bien, la nuit était calme. Bon, mon piège à rat, là, il marche pas bien. Ah, de légères blessures. Bon, écoute, pour le moment, tu vas aller te poser là. Qu'est-ce que t'as à nous proposer? Oh, il a mal dormi. Ça devient trop dur. C'est pas une bonne journée. Ah, commence à cailler, là. Ça ne me va pas. Donc, non, quittez. Là. Ça, je crois qu'il faut que je l'améliore. Si je peux, ça serait bénéf. Fais chier, il me manque du bois. Il me manque du bois, il me manque du bois. Ok. Là. Normalement, là. De toute façon, non, je veux. J'ai tout fermé, j'ai tout protégé au max. On va faire ça par contre. Ça, on va le faire. Parce que ça peut être utile. Je le mets où? Je le mets là. Ouais. À côté des rats. Bruno, il a très faim. Mais Bruno, tu fais que dormir alors, hein? Dire au bout d'un moment. T'as faim, t'as de légères blessures, t'es triste et t'as besoin de beaucoup de repos. Va pas nous clamser d'épuisement. Toi t'as faim, toi t'as très faim. Bon écoute. Est-ce que. Non, je peux pas l'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ça? Alcool pur. Il faudrait que je fasse une distillerie prochainement aussi, ce serait pas mal peut-être. Ouais, faut que je retrouve du bois. Eh, c'est pas fini ça! Bruno va falloir se lever. Allez, c'est bon, c'est fini là. T'es plus fatigué, toi tu vas dormir. Mais passe pas par là! Oh putain. Qui c'est encore à la porte là? Encore toi? Ouh ouais. Bon attends, va voir à la porte parce que bon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as?
Là, je dois t'avouer que les bandages, c'est pas la ressource sous laquelle je croule. Marco, il a mal dormi. Toi, qu'est-ce que t'as faim? Bon, dors, de toute façon, tu dors, t'es bien. Tant pis, on va brûler du livre. Mais non, faut pas perdre espoir. Hop, fais-nous un truc comme ça là, fabrique ça. Vas-y, mange un bout. Allez, vous allez arrêter un peu là d'être tous déprimés. Oui, mais toi t'es malade depuis que t'es arrivé, comme Pavle qui est blessé. C'est quand même triste, hein. Bon bah du coup je l'ai réveillé à Pavle. Toi t'as besoin de repos, non? Non, même pas. Pas particulièrement. On va sortir avec Pavle cette nuit. Ça changera. Pavle, t'as faim. J'ai presque envie de te faire manger. Parce que t'as de légères blessures, ta faim était triste. Pourquoi t'as pas le temps de paresser? Ah si, tu dors. T'as pas besoin de repos. Ok. Il a plus faim, Pavle, c'est... Eh hey! Dis-toi que c'est la fête, hein. Ouais, ben, est-ce que tu veux repartir dormir? Ah bah ouais, tu veux repartir dormir, ok. T'es vraiment une merde, hein. Bon, Marco, je pense que... Mais j'arrive pas à le choper, à Marco. Il est où? Il est là. Bah, de toute façon, je pense que c'est trop tard, tout simplement. Non? Non, va là. On fera un couteau la prochaine fois. Là, je vais pas avoir le temps. J'ai plus de bois, putain. J'ai claqué tout mon bois. Il m'en faut je sais pas combien pour améliorer ça, quoi. Ah non? Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, il m'en manque. Je sais pas. J'arrive pas bien à piger leur truc là. Donc tu dors dans un lit et toi tu montes la garde, Pavle. Vous allez rester deux à monter la garde. C'est bon là. Il y a un moment, va falloir bosser, hein. Peut-être les gens. Marco, tu vas aller où? Villa en ruine, y a quoi? Villa en ruine, mais j'y suis pas déjà allé. On raconte que des gens vivaient encore là-bas du temps. Je crois que j'y suis allé pourtant là-bas. Ah mais oui! Oui. D'accord. L'avant-poste militaire, c'est danger. Supermarché, c'est danger. D'accord. On va aller faire un tour à l'église. On va prendre une pelle et une barre à mine. J'ai pas... Ah oui, putain, mais j'ai toujours pas fait ma hache, moi. Ah mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que je...
L'ambiance est ultra rassurante, je trouve. Ah, tu sais pas comment rejoindre cet endroit. Bah écoute, monte là, commencez. Ça a pas l'air bien. Ah, on peut dézoomer, putain. Là-bas, il y a un mec, en fait. J'arrive pas à voir s'il est armé, mais j'ai l'impression. Pour le moment, on trouve pas des trucs exceptionnels. Hein. On trouve de quoi. On pille tranquillement là, y'a qu'un mec. Bon. Y'a pas, voilà, y'a pas des trucs. Y'a pas des trucs de ouf. Ah, ça par contre. Je sais plus à quoi ça sert, mais je crois que ça sert. Yep, il a un shotgun le type. Oh bordel! Pas bon. Allez, mène-toi le cul, sérieux. Je suis péteux, moi je me suis fait repérer, je me casse, hein. J'ai récupéré quelques affaires. On dirait que ça fera la blague pour le moment. Il y avait juste un tas à côté de moi que je pense j'aurais pu. Putain, mais c'était immense en plus ici. Il y avait de quoi faire. Encore! Quelqu'un a essayé de. C'était un groupe de dur à cœur, nous avions des armes, oui. Aucun d'entre nous et les agresseurs n'ont rien volé. Bon, ben ça va. Oh, mais putain! Commencez à faire chier tous là, à être. Ouais, va t'allonger. Bon, va prendre des médocs, toi, parce que tu me pètes les. Hein? Voilà. Toi. On a quoi là? Est-ce qu'on peut améliorer ça ou toujours pas? Ça commence à cailler. Hein. Enfin, ça caille pas, il fait 15, mais. T'as très faim. Non, il me faut plus de bois. Il me faut plus de bois, sauf que toi, il faut que tu fasses à bouffer. Non, reste là. C'est pas grave, je vais prendre une conserve. On va économiser le bois un peu pour l'instant. Ah, il y a de la. Ok, il y a de la bouffe là.
Voilà. Va récolter ça. Comment elle va, elle? Elle a très faim aussi, bordel. Non, merde! Ouais, je sais que sa blessure est pas belle à voir à Pablo. On va voir ce qu'il y a, toi. Ah putain, mais tu nous fais chier, toi. J'ai pas, non, j'ai pas de bandage. Hein. Ouais, je sais, t'as besoin de bandage, mais j'en ai pas. Ouais, je sais, désolé. J'en ai pas. On va faire un lit de plus. Tant pis, on est 4 là. Ah, je peux pas, ok. Parfait. Oh putain, mais la hachette, sérieux. Il me faut une hachette, hein. Je peux pas la faire, la hachette, là. Là, j'ai une pelle. Elle est pas là, la hachette. Je l'ai pas ratée. Non, elle est pas là. Non, bah écoute, je vais faire une radio. Non, je vais pas faire de radio. Je vais garder pour le moment tout ce que j'ai. Je sais pas quoi. Je sais pas où on en est là. On a ça. Niveau bouffe, ça va franchement. On a de la viande. Bon, on n'a pas de légumes, mais bon. On a un légume, mais il faut pas trop non plus en demander. De l'eau, ça va. C'est du bois qu'il me faut. Il faudrait presque que le marchand se pointe, mais j'aurais pas grand chose à lui filer contre du bois. T'as besoin de repos, je sais. On n'a pas de lit en rab. Lui, il est blessé, et elle est blessée aussi. Bruno, il est fatigué. Il est malade, il est sous médoc. Il est triste et il a besoin de repos. C'est la merde. C'est la merde, tout le monde. Tout le monde est mal là. On va terminer la journée comme ça. Ah merde, elle a très faim, j'ai oublié de la nourrir. Elle va rester à dormir. Toi aussi, tu vas dormir. Je pense qu'on va rester là cette nuit. À monter la garde. Comme ça. Voilà. Et on va en rester là. Oh merde! Ah, fais chier. Zlata a l'air de ne pas avoir dormi de la nuit, quelque chose l'a perturbé. Bruno. On va en rester là pour le moment. On reprendra la suite. Bruno, il faut qu'il fasse à manger à Zlata. Zlata, faut qu'elle mange et tout. Journée chargée. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Allez, ciao tout le monde.